Nous irons voter pour un Congo uni, un Congo où l'on vit en sécurité, un Congo prospère. Je suis Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce 20 décembre, je suis numéro 20. Nous irons voter pour un Congo uni, un Congo où l'on vit en sécurité, un Congo prospère. Bon, très chers amis de la presse, merci de venir nous accompagner. Si nous nous sommes réunis, c'est parce que ça fait plus d'un mois que le Front des Jeunes pour les sursauts patriotiques Fachi 20, dont je suis l'initiateur et le président, le second est là, monsieur le coordonnateur Patty Malanga. Patty Malanga, c'était un grand noyau de l'UDPS. Il a accepté d'être avec nous au sein du Front des Jeunes pour les sursauts patriotiques. Eh bien, nous sommes devant le palais de la nation, la présidence de la République. Pourquoi la présidence de la République? Pourquoi l'OIA, la résidence et le bureau, deuxième bureau du chef de l'État? C'est parce que nous estimons que c'est le lieu où les décisions sont prises pour l'intérêt de la République. Ça demande à ce que ça soit très bien assaini, afin que les gens travaillent dans de meilleures conditions. Et nous avons saisi l'opportunité pour soutenir et accompagner les choix judiciaires du chef de l'État avec Anthony Kinzo Kamole comme directeur de cabinet. Et nous sommes là depuis 9h. Pour votre information, nous sommes venus en retard. Parce que 90% du personnel au Palais de la Nation ont commencé le travail depuis 7h30 et 8h. C'est ce que nous attendons du bureau du chef de l'État, et c'est ce que nous attendons du directeur des cabinets. Cette motivation, cet état d'esprit du travail, cet état d'esprit du patriotisme pour accompagner la vision chère du chef de l'État. Nous sommes là pour assainir et balayer devant le palais de la nation. Ce n'est qu'une continuité, et prochainement nous allons rentrer encore au palais de la nation. Nous ne savons pas si nous allons venir encore au palais du peuple, non. Nous, notre priorité, c'est là où touchent les intérêts de la présidence ou encore du chef de l'État. Et nous sommes là, le Front des Jeunes, pour les sursauts patriotiques, dont le noyau sont nos frères et sœurs malmenés, chassés par les Libanais de Pain Victoire, que vous appelez Mino Congo, que vous appelez Pain Moulin. Mais aujourd'hui, sont ces très chers Congolais qui font partie, ou encore qui sont le noyau du Front des Jeunes pour les sursauts patriotiques. Donc nous sommes là, fonction ou pas fonction, nous allons continuer à mener nos actions et nous allons toujours continuer à accompagner la vision chère du chef de l'État par rapport à ses deuxièmes mandats. Ouais, nous avons un financement. Nous avons un financement qui vient de la part du chef de l'État. Et ça, c'est un financement fort. Et vous serez très surpris dans les jours qui viennent, et vous comprendrez qu'est-ce que c'est le financement. Et vous allez comprendre que quand le père de la nation, les garants des institutions, les chefs de l'État financent, la victoire demeure toujours certaine. Nous irons voter pour un Congo uni, un Congo où l'on vit en sécurité, un Congo prospère. Je suis Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Okay.
voter pour un Congo uni. Un Congo où l'on vit en sécurité. Un Congo prospère. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce 20 décembre, je suis numéro 20. Voter pour un Congo uni, un Congo où l'on vit en sécurité, un Congo prospère. Je suis Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce 20 décembre, je suis numéro 20. Voter pour un Congo uni, un Congo où l'on vit en sécurité, un Congo prospère. Je suis Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce 20 décembre, je suis numéro 20. Voter pour un Congo uni, un Congo où l'on vit en sécurité, un Congo prospère. Je suis Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce 20 décembre, je suis numéro 20. Non, d'abord merci à la presse de nous donner pour accompagner Bisso. Motivation à mon compte. Action citoyenne au Tomessana Nangwe, dans le cadre de la Front des jeunes pour le sursaut patriotique, Fachi 20, certainement les gens vont se poser la question pour la Nimbo Kendaga, la OIA, pour la Nimbo Kendaga, parler de la nation. Oui, parce que nous estimons qu'il y a moins des abysses qui ont mis balé, ou ici qu'à décision, la Nimbo Kézozoama. Un milieu sain, un bâtiment sain, dans un corps sain, et depuis ça, toujours un résultat mauvais sain. Donc, ça fait quelques temps, au sursaut patriotique, tout ça a la guité. Fallait que tu aies un gouvernement et bima. Fallait que tu aies un choix, il y a un directeur de cabinet, la chef de l'État. Fallait que tu aies une indépendance et salama. Nous nous sommes dit pourquoi ne pas te coutana. Mais vu ce que tu as la manière de donner à vos coutana. Moi, quand il y a une manière principale, il y a vos coutana.
Et ça va la rencontre citoyenne Moyo, purement dans le cadre de l'assainissement. Il y a un moment donné, le depuis 9h, tout à l'heure, on a parlé de la nation. Et si le bureau, la chef de l'État, est allé, évidemment, à la directrice d'Aïe, pour que tout le monde soit en train de se faire, et pour insérer bien, on va visiter un corps diplomatique. Ça veut dire que notre présence est très capitale. Et pour nous, c'est l'eau à cicater. Bah, tu vas comprendre que nous sommes une structure, que ça, la manière dont nous fonctionner. Nous ne voulons pas fonctionner comme tout le monde. Tout ça, la marche de santé. Et ça, ma bête. Mais nous sommes la marche de santé, et nous sommes à la route. Nous sommes à la réunion, à la réflexion. Là, la descente, il y a une action citoyenne. Il y a déjà manqué à la mission. Timothée Lenoir a rejoint moi poste. Timothée Lenoir a rejoint poste. Évidemment, poste, c'est la réalité. Pour des raisons de fonction, moyens à la zalation visible été. Mais l'assainissement, c'est purement dans le cadre même sportif. Avec le poids du travail, notre sac à footing, notre sac à natation, ça veut dire nage, et ça mène même à Togoroya, donc, ce qui le Timothée Lenoir à poste, parce qu'une fois à jouer poste, pour papa Zana Nyongoya, moi, ça veut dire Fachi Béton, Fachi Vent, Zana Nyongoya Timothée, en tant que sursaut patriotique, au contraire, le bokeh te vimba, et puis tu peux accentuer, et puis tu peux améliorer les sources d'action, afin que les gens comprennent réellement, et ça va être un cas pour Tozaki Nabosenga. Tozaki Nabosenga, Tozu, le col à Tozu, tu vimbis ici sous équipe, et puis tu peux aller pour continuer d'action, surtout que la carte Nabiso, tu as la particularité, mon corps, dans le cas où les Libanais à Bouaka et à peine victoire. Baba Onde Baza vraiment noyau, il y a fond des jeunes pour les sursauts patriotiques, ça veut dire énergie et Zali. Nous avons besoin des opérateurs téléphoniques, nous avons besoin des sociétés tabacicoles et nous avons besoin des sociétés brassicoles dans tous les domaines, assurance, tout ce que vous voulez. Malheureusement pour moi, je ne suis pas porte-parole de la société Orange RDC, mais je suis tombé sur un dossier par rapport à un citoyen congolais, un monsieur qui s'appelle Trésor Chimbombo. Okay. Trésor Chimbombo qui a piloté un grand projet dans le cadre commercial au sein des Orange, et notre très cher frère congolais a détourné l'argent. Vous avez des preuves, hein? Oui, il y a des preuves parce que la démarche, les dossiers est déjà entre les mains de la justice. Mais mon plus grand souci, c'est quand je vois Jacqueline Dalla, que je connais comme un politique, comme un leader des jeunes, je vois Jacqueline Dalla en train d'intervenir par rapport à ce dossier, moi ça m'inquiète. Il intervient parce que comment il intervient pour dire que non, Trésor Chimbombo a été viré. Ou plutôt, il a démissionné de lui-même. Or, il n'a pas démissionné. C'est plutôt la société Orange qui est tombée sur lui, dans le cadre des détournements, via électronique, comme il fonctionne avec l'Orange Money Consort, dont le monsieur faisait les transferts au travers de sa femme. Et c'est déshonorant pour notre pays. C'est dans les 350 000 dollars, si je m'abuse. 350 000 dollars. Et aujourd'hui, dans le cadre des climats des affaires, le pays a déjà trop de problèmes. Nous avons besoin de toutes ces sociétés télécoms afin de nous être utiles, de se rendre réellement état. Jacqueline Dalla défend celui qui a défend Trésor Chimbombo, dont les dossiers se trouvent en justice, dont Orange a toutes les preuves au niveau électronique que notre très cher frère congolais Trésor Chimbombo a détourné au moins plus de 300 000 dollars. Et aujourd'hui, on fait des Orange, plus particulièrement de son DG, la cible. Un citoyen malien ou burkinabé qui est venu nous et aux Congolais. Au fait, c'est un faux débat. Parce qu'aujourd'hui, vous comprendrez, dans la plupart des sociétés privées, on a besoin des Ivoiriens, des Congolais, des Ghanéens, des Congolais d'en face. Parce que nous, les Congolais de Kinshasa, très souvent, tout aura sérieux. Quand on vous donne confiance, on finit toujours par s'abuser. Donc, c'est un dossier à suivre. Aujourd'hui, la société Orange RDC est très salie. J'ai trouvé ça sur les nets, sur la toile. Je suis en train de mener des investigations de fond en comble et j'ai compris que mon très cher frère Trésor Chimbombo a détourné plus de 300 000 dollars. D'accord. Dont il y a les preuves électroniques, l'argent passé au compte de sa femme. Ça dérange tout ça par rapport à l'image de notre pays. Et Jacqueline Dalla, la leader des Sirois, j'estime qu'il doit bien jauger ces dossiers parce qu'il s'agit de l'image de la République démocratique du Congo. Et les sursauts patriotiques est là. Pour éviter ce genre de pratiques, en fait, de redorer l'image de la RDC. D'accord. Comme le dossier, l'affaire est en justice, nous prions seulement que la justice puisse trancher. Celui qui a raison, a raison. Monsieur Timothée Lenoir, merci beaucoup. Je vous remercie, mais j'attends mon invitation pour une émission. D'accord. Merci. Mmh.